Pour un employé civil là doucement. Vous tenez employé civil, les insignes employé civil. Tu pourrais même porter ta chose doucement. Tu marches toi avec ta chose. Maintenant tu es sorti d'employé civil pour être employé intégré. Tourne-toi. Il a tout le corps, hein. Il a tout. C'est quoi? C'est bien ce qui parle au salaire comme ça à sortir, Jean. Ouvre, tourne-toi comme ça. On va faire comme ça. C'est comme ça, il m'a dit que non, je ne sais pas. Quand elle arrive, regarde. Je tourne. Je vais laisser. Je reviens pas ici. C'est un petit chien, frère. Vas-y, je passe. Donc, tu vas témoigner. Après, 4 mois ici, déjà. Sila Charlet, vous avez été interpellé par les éléments de la compagnie de gendarmerie Douala 2. Vous vous êtes présenté comme séant chef en service au Bir Zone Douala. Est-ce que réellement vous êtes militaire? Non, je ne suis pas militaire. Est-ce que réellement vous êtes militaire? Non, je ne suis pas militaire. Comment vous avez fait pour avoir cette tenue militaire B en votre possession? Comment vous avez fait pour être en possession de ces effets? J'ai seulement pris pour porter. Pardon? J'ai seulement pris pour porter. Vous avez pris pour porter, vous avez pris où? Votre source d'approvisionnement? Je n'ai pas de source. Vous n'avez pas de source, vous avez fait comment pour avoir ça? Parce que c'est typiquement BIR. Vous les avez eu par quel canal? Vous les avez eu par quel canal? Vous les avez eus par quel canal? Monsieur Charlin, vous les avez eus par quel canal jusqu'à la montre B? Vous avez eu ça par quel canal? Monsieur Silacha, vous ne parlez plus? Depuis combien de temps vous abordez ces effets vestimentaires militaires B? Depuis combien de temps? Je ne porte pas ça depuis. Mais... quels sont les sentiments qui vous ont animé à porter? Les sentiments qui vous ont animé à porter? Parce que vous avez tout l'équipement BIR. Vous n'arrivez pas à nous donner la provenance. Comment vous portez donc ça? Pourquoi vous portez? Non, j'ai porté ça que l'autre jour pour aller là-bas. Bon, vous avez porté pourquoi? Les sentiments qui vous ont animé à porter, c'est pourquoi? Vous n'arrivez plus à parler. C'est parce que le BIR m'intéresse. Parce que le BIR t'intéresse. Mm-hmm. Pourquoi tu t'es présenté au commandant de compagnie comme séant chef? Est-ce que réellement tu es séant chef? Non. Pourquoi tu as dit que tu es séant chef? Est-ce que réellement tu es séant chef? Non. Mais pourquoi tu as dit que tu es séant chef? Parce qu'en disant ça, il savait qu'il devait me laisser. En disant ça, il devait te laisser. Mm-hmm. Est-ce que tu as une carte professionnelle BIR? Non. Mais tu as dit tantôt que tu es employé civil au BIR. Mm-hmm. Tu es connu par le responsable du BIR. La garde, tu veux que les séances, c'est tout. Est-ce que tu as une carte d'employé civil? Tu as donc fait comment pour se retrouver au camp du BIR? Si réellement tu es employé civil au BIR, tu as fait comment pour arriver au BIR? Je suis allé là-bas pour le dressage de chiens. Pour le dressage. Pour le dressage de chiens. Des chiens. Mm-hmm. Est-ce que les responsables du BIR te connaissent? Oui. Est-ce que les responsables du BIR te connaissent? Tu connais un responsable du BIR? Bon, tu n'arrives plus à parler. Bon, en dehors même de la tenue militaire que tu portes, tu as une moto où tu as habillé avec des insignes BIR. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est la base qui a fait comme chaque jour, je m'en vais à Bonanjo. C'est la base? Et on a mis la plaque là, à la base. Quelle base? Qui vous a mis ça à la base? C'est le soudeur qui a mis ça. Quel soudeur? Nous avons un soudeur là-bas. Un soudeur BIR? Oui.
C'est lui qui vous a mis ça? Oui, c'est lui qui a mis. Il vous a mis ça en tant que militaire du B? On a mis, ce n'est pas seulement moi. Qui lui a demandé de vous mettre ça? Je ne suis pas celui qui a ça, parce que quand on tue un tuquit de Bonanjon, les policiers, les gendarmes refusent que tu n'entres pas. Mais quand on met la plaque sur ça, ça sert que... Mais on met pour les militaires? Ça sert que tu peux... Bon, quand on met, pourquoi on ne te donne donc pas une carte d'accès B? Ou comme employé civil B? Pourquoi on ne te donne pas une carte d'accès, puisque même nous, on a les employés civils qui ont des cartes professionnelles gendarmerie. Pourquoi on ne te donne pas, si réellement les responsables du BIR ont sollicité tes services? Tu n'en as pas. Est-ce que tu n'es pas sûr que c'est toi-même qui as collecté tes tenues ou peut-être tu les as volées quelque part pour commettre tes exemptions? Tu es sûr? Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait, mais jusqu'aux montres, tu les as trouvées ou jusqu'aux accessoires complets que certains éléments, même BIR, n'en ont pas. Toi, tu as fait comment pour avoir? Et l'arme, tu l'as eu où? Tu as déjà utilisé une arme? Mais pourquoi tu portes donc l'arme? C'est vrai, c'est la ressemblance. Oui, c'est la ressemblance. Comment? Sortez ça, vous nous montrez que c'est la ressemblance. Sortez cette arme-là, vous nous montrez. Vous nous montrez que c'est la ressemblance. Dégainez. Levez ça, vous nous montrez. Expliquez-nous comment vous dites que c'est la ressemblance. Où est la ressemblance? Expliquez-nous que c'est la ressemblance. Expliquez-nous que cette arme ne fonctionne pas. C'est ça. Mais expliquez-nous, on ne comprend pas. C'est ça, comment? Expliquez-nous. Pourquoi donc tu as porté ça si elle ne fonctionne pas? En cas d'attaque, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une arme qui ne fonctionne pas. Quand je mets là, quand tu vois, tu sais que je lance. Pardon? Quand je mets sur moi, quand on voit, on connaît que je lance. Quand tu mets sur toi? Oui, je mets sur moi, comme j'ai mis tout. Comme vous m'avez arrêté, il y avait sur moi. On sait que je lance. On sait que tu as l'arme. Oui, c'est tout. Est-ce que des fois tu enlèves ça ou dès que les gens voient, ils ont peur? Oui, c'est rien que je n'ai jamais enlevé. Mais... Donc parce ils savent. Si j'enlève, tu vois que ce n'est pas l'arme. Tu peux me faire mal. Voilà. Et tu as trouvé ça où? Je ne peux pas enlever. Et tu connais comment que les éléments du BIR utilisent cette arme? Qui t'a donné cette arme? Non, on ne m'a pas donné. Mais tu as donc fait comment pour avoir ça? Tu as fait comment pour avoir ça? Je l'ai ramassé. Tu l'as ramassé où? Tu l'as aussi ramassé au même pied d'égalité que les tenues militaires?